Bon, nous sommes à Yelidja, nous sommes en fin octobre 1992, je suis avec une section serbe. Au loin, enfin, à une centaine de mètres des détonations. Les volontaires que je suis maintenant depuis plus de 15 jours ne sont plus avec moi. En face, un char, un blindé. Il tire à la mitrailleuse. Je ne vois pas sur quoi. Il s'en va. Moi, j'essaye de faire des grands gestes. Rien. Je suis vraiment un peu mal, car je suis tout seul, on me tire dessus, et je ne sais absolument pas où elle est. Alors je me planque. Je suis pris dans un accrochage sérieux, mais vraiment pas spectaculaire pour la caméra. Donc c'est vraiment pas la peine de risquer sa peau. Bonjour madame. Allez. Enfin, j'arrive à faire stopper le blindé. Je monte à l'intérieur et là, panique. Il fait chaud, et là on imagine le RPG qui vient frapper le blindé et vous cramer à l'intérieur. Enfin, je sors, je vois les gars de la section courir. Essoufflé, je cours après eux, je suis complètement essoufflé. Un peu plus tard, nous arrivons à Nizjarici. Là, un homme me prend en charge. Enfin, quelqu'un qui parle anglais.
talking. Everything is here. Ici, toutes les maisons ont été détruites. Il y a eu des combats, maison par maison, rue par rue. For that street, house by house. You know. From here. When you see the explosion, you know, it's not good stay on the land. Faites attention, il faut vraiment se planquer, il faut vraiment se planquer. Quand il y a une grenade qui tombe, on est à peu près sûr qu'il y en a une deuxième qui va arriver. Alors faites attention, il faut vraiment se planquer. Oui, mais moi je ne pourrais pas filmer à ce moment-là. Ah, mais ça fait rien, ça fait rien. Planquez-vous. I tell him that is grenade because I want that your friends know it's very dangerous because he going and listening like on traveling, like on voyage in French, you know. Oui, can come, bro. Ramadan. Et puis l'horreur. Une chose qui me restera à toujours. Qui me restera toujours. Toujours. En courant, je traverse une voie. Je suis à la caméra et d'un seul coup, je suis un peu déséquilibré. J'ai l'impression de rentrer dans quelque chose de très mou. Je regarde. En fait, j'ai mis le pied sur un cadavre. Ça flingue, on repart. Je suis obligé de traverser à toute vitesse. Voilà, c'était la journée d'un correspondant de guerre à Sarajevo. Voilà comment c'était.